Salut les gars, c'est Sonix, j'espère que vous allez bien, écoutez pour ma part je vais super bien, et aujourd'hui voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler du nouveau Call of Duty Modern Warfare. Alors, oui, Modern Warfare, parce qu'au cas où tu vivrais dans une grotte, le nouveau Call of Duty n'est pas Modern Warfare 4 ni BO5, mais bel et bien Modern Warfare. Je vous propose quand même qu'on scinde la vidéo en trois parties respectives, le mode campagne, le mode multi et le mode Spec Ops, voilà. Sans plus attendre, je vous propose donc de découvrir toutes les nouvelles infos qu'on a eues pour ce nouveau Call of Duty. Alors tout simplement, ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder le trailer ensemble et un petit peu débattre dessus. The rules have changed. There's a fine line between right and wrong. Somewhere in the shadows, they'll send us in to find them. Watcher to 6 Actual. Target is in the main house. You have execute authority. Bravo 6. Going dark. Start clear! Alors du coup, qu'est-ce qu'on va retenir du trailer? Eh ben déjà, en premier lieu, moi ce qui m'a frappé c'est putain quoi. Qu'est-ce qu'ils sont forts pour te faire un trailer, pour te donner envie de jouer? Mais attention parce qu'ils sont aussi très très forts pour te la mettre derrière. Je m'explique, donc là, clairement, voilà, déjà ce qu'on peut voir, on a le Captain Price. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas le Captain Price, on va en reparler un petit peu plus tard. C'est un personnage de la campagne Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, un personnage vraiment emblématique de la série. Voilà, c'est le charisme à lui tout seul. Ce mec-là, c'est un monstre. Voilà, ça ce qu'il faut retenir de Captain Price, c'est que vraiment ce mec-là, c'est un personnage emblématique. Mais bon, on en reviendra un petit peu plus tout à l'heure. Sur le trailer aussi, on a pas mal d'informations. Donc voilà, on a quelques images du jeu, donc je suppose du mode campagne. On a un conflit qui semble être un conflit actuel, donc c'est-à-dire tout ce qui se passe en Afghanistan, en Irak, tout ça. J'ai remarqué aussi qu'on avait vu aussi une FAMAS, voilà, donc quand le mec est sur la voiture. Donc voilà, si vous avez bien vu le trailer. On a aussi quelques armes, style AK-47, tout ça. Mais bon, voilà, je vais pas plus débattre sur le trailer, honnêtement, hein, vous pouvez faire votre propre avis à vous. Moi, honnêtement, quand j'ai vu le trailer, bah, j'ai pas eu plus envie que ça de l'acheter, le jeu. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a tellement été déçus de... je sais pas, en fait, on a vraiment été déçus à chaque fois. Et moi, en fait, si vous voulez, depuis, allez, on va dire, depuis BO2, honnêtement, tu vois, c'est pas que je me force à jouer au Call of, mais un peu quand même, tu vois. C'est-à-dire que, franchement, après BO2, je sais plus, je crois que c'était Ghost. Non, c'était peut-être avant. Oh, je sais plus. Bref, Ghost, en gros, ça m'a mis tellement une grosse claque qu'en fait, si vous voulez, je fais plus confiance, plus du tout confiance au jeu Call of. C'est-à-dire qu'en fait, le seul Call of sur lequel je me suis amusé, c'était, allez, MW2, MW3, BO2. Mais vraiment, le dernier en date qui m'a vraiment donné envie d'y jouer, bah, c'est BO2. Déjà, en fait, si vous voulez, BO2, il avait un trailer qui était, bon, on va dire, pas vraiment terrible, quoi. Et là, regardez la dose qu'ils te mettent, quoi. Mais sur chaque Call of, hein, ils te mettent ça, ils te font des gros plans, des explosions, des trucs comme ça. Et forcément, ça te donne envie d'y jouer. Mais quand t'es en jeu, bah, honnêtement, bah, c'est pas la même chose, hein. T'as pas d'explosion, t'as des campeurs, t'as des trucs comme ça. Mais après, ça, c'est la communauté. Du moment que le jeu, il est bon, bah voilà, déjà, au moins, ça te fait un truc en moins à gérer. Mais je veux dire par là, si vous faites un bon jeu, on s'en fout après que la communauté soit merdique, du moment que le jeu il est bon. Enfin bref, chacun a son avis sur le trailer comme il veut, mais bon, ça, on passe. Du coup voilà, ça c'était pour le trailer. Maintenant, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se penche un peu sur le mode campagne. Alors,
pour le mode campagne de Call of Duty Modern Warfare, il a été dit, du coup, à l'E3, que ça serait le plus beau et le plus réaliste de toute la série des Call of Duty confondus. Que ce soit graphiquement ou directement dans le gameplay, ils ont mis vraiment un accent là-dessus. Ils ont dit vraiment que ce serait le plus réaliste dans la manière de jouer et dans les graphismes possibles. Alors, dans ce mode de jeu, campagne, on a du coup 3 nouveaux personnages, mais ils sont 4 en tout, étant donné qu'il y en a un qu'on connaît déjà. Alors, déjà, je vais vous présenter tout simplement Kyle Jerrick, un ancien policier britannique travaillant maintenant dans la lutte antiterroriste nationale et qui rencontrera le Capitaine Price au cours de ses aventures. On a aussi Alex, un membre de la CIA dans la région du Moyen-Orient. Et enfin, Farah, une commandante de l'armée rebelle qui n'a pas choisi de s'engager, mais qui n'a pas eu le choix quand la guerre est arrivée dans sa région. Et on a bien évidemment le Captain Price, ce personnage qu'on ne présente plus tellement il est célèbre dans la série des Call of Duty. Ce qui va en surprendre plus d'un par contre, ça va être en fait, si vous voulez, la manière de jouer du joueur. Je m'explique. Cette année, en fait, si vous voulez, dans le mode campagne, la manière dont vous allez jouer va directement impacter sur l'ambiance au sein de la squad. Donc, pour ramener encore plus de réalisme dans le jeu, exemple, si vous faites des mauvaises actions comme tuer des innocents, eh bien, vous ferez réprimander par votre supérieur. Et à l'inverse, si vous sauvez des civils ou vous accomplissez bien votre mission et que vous faites votre devoir au sein de la squad, votre supérieur, par contre, va vous féliciter et vous donner quelques récompenses. Je pense, du coup, qu'il y aura des fins alternatives, à mon avis, ça risque d'être comme ça. Malheureusement, c'est tout ce qu'on a pour le mode campagne voilà, de cette année. Les développeurs n'ont pas eu envie de s'attarder en fait sur le sujet, étant donné que du coup, je pense qu'on découvrira bien assez tôt toutes les futilités du mode campagne le 25 octobre à la sortie du jeu. Voilà. En tout cas, pour ce qui concerne du coup la partie qui nous intéresse le plus, je suppose, ça va être le multijoueur. Alors du coup, pour le multijoueur, la première grosse info qu'on a sur Modern Warfare, c'est le bullet drop. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement en fait un effet réel de la trajectoire d'une balle lorsqu'elle est tirée. Donc en clair, c'est prévoir la retombée de la balle par rapport à la distance qu'elle va parcourir. Un exemple, si vous êtes au sniper et qu'une cible est assez loin, vous devez un peu compenser votre viseur pour qu'il soit légèrement en haut pour prévoir la retombée de la balle pour que ça atterrisse dans la gueule de l'ennemi. Donc voilà, mais je pense pas honnêtement que ça soit un gros défaut, étant donné que les cartes sur Call of Duty, on sait qu'elles sont assez petites, et du coup voilà, je pense pas que ça va poser gros problème non plus. A l'inverse justement du bullet drop, on a actuellement sur Call of Duty, et depuis tous les ans, on a ce qu'on appelle le hit scan. Donc qu'est-ce que c'est que le hit scan? C'est tout simplement, vous mettez votre viseur sur l'ennemi, peu importe la distance, vous tirez, vous le touchez. Hop, point barre. On pourrait très bien aussi avoir le mode blackout sur Modern Warfare, mais rien n'est confirmé encore selon les développeurs du jeu. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous le voulez sur Modern Warfare. Pour ma part, j'espère vraiment, mais vraiment qu'il n'y sera pas. Parce qu'honnêtement, blackout, j'y ai vraiment pas joué, c'est pas un mode qui m'a plu. Je préfère qu'on laisse les Battle Royale aux jeux spécialisés Battle Royale et Call of Duty à Call of Duty, tout simplement. Pour revenir juste vite fait sur le bullet drop, un des développeurs a dit la chose suivante. Si vous tirez avec un fusil de précision ou un fusil de sniper, vous devez prendre en compte la chute de la balle, et dans certains cas, peut-être un peu devant. Pour le mode campagne du moins, après rien n'est fait pour le multijoueur. On a aussi eu droit à 2 images, mais pas de gameplay malheureusement, parce que cette année du coup les développeurs n'ont pas voulu montrer de gameplay. Donc on a d'abord la première image, c'est tout simplement un sniper camouflé dans l'herbe avec son sniper. Donc voilà, assez classique, vraiment pas vraiment nouveau, hein, et c'est pour ça personnellement que ça me plaît, parce que ça sent le retour aux sources. Mais à côté de ça, si vous voulez, le sniper a l'air assez camouflé, donc j'espère que des petits malins ne vont pas camper dans l'herbe, voilà, tout simplement, avec leur sniper, et puis ils te foutent quand même un grand gui switch, je crois, pour tout simplement, en fait, bah, se cacher dans l'herbe, voilà, être le plus discret possible. En plus, il a un silencieux, un viseur et un bipied, je pense, hein. Ça m'étonnerait pas non plus qu'il ait une crosse. Donc voilà, on nous met carrément une image où il y a un mec qui campe au sniper. C'est vrai que ça donne envie. Et du coup aussi, pour la deuxième image, c'est celle-ci. C'est du coup, vraisemblablement, un mastodonte. Donc voilà, armé d'un minigun. Donc première chose moi, qui m'a fait plaisir quand même, c'est de revoir le mastodonte. Voilà, c'est quelque chose que j'avais pas vu depuis MW3. En tout cas comme ça, hein, parce que celui de Ghost, il était vraiment dégueulasse. Le minigun aussi, très sympa, ça me rappelle beaucoup celui de BO1. On a pas mal de murs cassés, des gravats, donc voilà, ça nous fait un peu penser au décor qu'on a actuellement bah, dans les guerres qui se passent en ce moment. C'est-à-dire, honnêtement, je sais pas, mais bon, on voit en tout cas que c'est pas futuriste, il n'y a pas d'éléments futuristes, tout ça, et j'espère vraiment que le gameplay va être à l'image bah, du coup de cette image, c'est-à-dire vraiment quelque chose de moderne, mais qui ne va pas dans le futuriste, voilà, c'est bien le putain de nom du jeu Modern Warfare. Alors la guerre moderne, c'est pas une guerre futuriste, sinon vous l'appelez Call of Duty Future Warfare.
Alors par contre, pour les armes, les killstrike ou scorestrike, on n'a pas vraiment eu d'informations, c'est-à-dire vraiment on n'en a eu aucune. On peut se fier essentiellement au trailer, voilà, où j'ai vu une FAMAS, une MP5 je crois. A mon avis, ça va pas s'appeler comme ça dans le jeu, mais par exemple, la FAMAS qu'on a vue dans le trailer, ça ressemble beaucoup, en tout cas sur la forme, ça ressemble beaucoup à la FAMAS qu'on avait dans NW2, donc ce qui est présente aussi dans l'armée française. Et ça, c'est une arme que beaucoup de gens ont aimé. Alors pour ça, je dis oui. Mais par contre, là, je vais faire un gros non. Je suis désolé, mais il y a un développeur qui a quand même annoncé que la minimap serait enlevée et ne serait présente que lorsqu'on a un drone. Alors, honnêtement, qui est le teubé dans les studios Activision ou Treyarch qui a dit « on enlève la minimap » ? Ça, je suis pas d'accord. La minimap, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans tous les Call of Duty. Pourquoi est-ce que vous voulez l'enlever ? Bientôt, ils vont nous enlever les armes et ils vont nous dire « Tiens, tu prends un clou, tu prends une vis, enfin, tu prends un marteau, un clou, et tu dois clouer les ennemis au sol pour gagner. » Non, je suis pas d'accord, on n'enlève pas la minimap. Sérieusement, ça serait vraiment con d'enlever la minimap. C'est après, on n'a plus aucun moyen de se repérer sur la map, enfin, pensez un peu. Bon, j'attends un peu de voir les images du jeu, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas l'enlever, parce que c'est vraiment quelque chose qui est présent sur tous les Call of Duty, et vraiment, ce serait con qu'on ait plus de minimap, sérieux. C'est tout ce que j'ai réussi à dégoter, du coup, pour ce qui est la partie multijoueur, donc voilà, ils ont pas non plus vraiment parlé, c'est-à-dire qu'en fait, la conférence E3 cette année, elle a été vraiment, mais vraiment très courte, et du coup, on n'a pas vraiment de grosses informations sur le multi, que ce soit les armes, les killstrikes, non, vraiment des petits détails comme ça, et honnêtement, je sais pas si ça va plaire aux joueurs, enfin bref. Pour terminer, du coup, la troisième partie, ça va être sur le mode Spec Ops. Donc voilà, le mode Spec Ops fait son grand retour sur Modern Warfare. Et si vous avez déjà joué à Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, on sait tous ce qu'est le mode Spec Ops. Donc c'est un peu opération spéciale, si vous voulez. Donc voilà, en gros, ce qu'ont annoncé les développeurs, c'est qu'il y aurait de toutes nouvelles opérations qui réinventent le mode. Et au passage, voilà, désolé pour les fans du mode zombie, mais il n'y a pas de zombies dans la guerre moderne. Voilà, ce qui paraît être logique. Mais quand on connaît Call of Duty, eh ben on se dit, bah c'est pas logique. Hein. Parce qu'honnêtement, si on pouvait jouer Captain Price combattant contre des zombies, je pense que là, tu vois, bah il y a des gens qui se diraient, bah attends, c'est pas logique. Mais en même temps, putain, qu'est-ce que ce serait stylé, quoi. Enfin, pour finir, les développeurs ont assuré que les trois modes de jeu se passent dans le même monde, avec les mêmes règles. Toutes les armes et tous les accessoires seront les mêmes, peu importe le mode de jeu. Voilà, c'est resté assez énigmatique, mais j'espère que du coup, ce message ne veut pas dire que du coup, le bullet drop sera aussi présent en multi et dans le Spec Ops, puisqu'ils ont dit que les trois modes de jeu se passent dans le même monde avec les mêmes règles, donc les mêmes règles de jeu. Toutes les armes et tous les accessoires seront les mêmes, peu importe le mode de jeu. C'est un message assez énigmatique, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon ? Je vous laisse vous faire votre propre avis dans les commentaires, moi honnêtement j'en sais rien, j'attends vraiment encore une fois d'avoir des images du jeu. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin, voilà, je vous remercie quand même de l'avoir regardé. N'hésitez quand même pas à me dire vos avis du coup en commentaire sur le nouveau Call of Duty Modern Warfare, donc voilà, qui sort quand même le 25 octobre, donc voilà, c'est dans pas longtemps, on sait que ça va arriver vite, mais vraiment, j'attends vraiment d'avoir des images du jeu avant de me faire mon propre avis. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, je me hype pas trop. Parce que du coup, on a tellement pris des douilles colossales depuis BO2, enfin, après BO2, je veux dire, hein, parce que BO2 est quand même un très très bon jeu, on va pas se le cacher. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé d'avoir pris un petit peu de temps à cause de mes nombreuses recherches pour vous rapporter quelques petites infos. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et surtout, à me laisser votre avis dans les commentaires sur ce nouveau Call of, je les lirai tous. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, portez-vous bien.